Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que j'ai une information sans problème. Bali ont certaine leadership et puis il dit tête li l'a entré dans Delma 24 parce que Anel toujours dit tête li même lycée on est ghetto li konn zone yo konn bloc yo et ben et l'elle t'a arrivé dans base égarée selon information que nous gagnons sur place Jean Ismaël Valestin Valestin confirmé pour nous et ben yo ouvert coup d'âme sous li et selon des précisions il était accompagné avec un avocat Caleb. Il était accompagné tout avec Kilik et Jean-Ismaël Valestin nous allons recevoir en ligne ou en direct depuis l'hôpital Canapé Vert où nous allons tout élément d'information sur comment la situation est d'une part devant l'hôpital là, mais d'autre part comment ça y est en dedans parce que nous apprenons déjà l'entrée dans la salle opération et toute information qui sortit dans l'hôpital là fait quoi c'est cap projectile en elle recevoir les prend une manche les prend une dans dos les prend une dans bras et gagne une qui malheureusement touché pour moi c'est élément d'information qui vient joindre nous forme d'où ça nous dit là c'est pas médecin qui dit mais c'est monde qui était accompagné en elle Belizer ancien député d'Elma Tabar qui depuis un certain temps est traversé ou bien comme militant politique, nous allons connaître comment ça y est. Mais tu as gagné des rumeurs qui t'ont circulé comme quoi Anel Belizer est mouru. Eh bien, information ça y est, c'est que nous avons parlé là, li dans la salle opération. Nous allons gagner tout détail avec Valestin. Pour un peu de monde qui ne connaît et Anel Belizer, c'est pas la première fois et ça arrive, nous sommes tu es une époque Anel, tu recevoir 9 cartouches. Hein? Nous sommes ça déjà. Anel, c'est un monde, il est toujours dit, pas paix balle, pas paix prison. Et il connaît prison plusieurs fois, mais il est toujours, c'est un adversaire robuste lié pour un pile monde qui a toujours gagné des désaccords, soulevé d'autres politiques ensemble avec lui. Nous sommes dans le niveau, il ne faut pas caler des batailles que monsieur mené. Nous sommes en 2012, 2013, 2014, face avec Michel Mantelli et Laurent Lamotte. Et l'été gagne un comportement presque même gentil face avec Jocelyn Privert, Jovenel Moïse et nous songeons dernier mouvement et les secteurs démocratiques annoncés trêve et bien Anel lui-même tabral redémarrer un autre mouvement qui tabral occasionné arrestation et 2 ans emprisonnement. Eh bien, fraîchement sorti dans la pénitentiaire nationale, eh bien, monsieur Lee retourner encore dans l'activité. Nous avons Jean-Ismaël Valestin qui est déjà avec nous en ligne. Valestin, bonsoir. Ou en direct ensemble avec nous. On va refaire le contact puisque la communication est coupée. Nous allons essayer de rejoindre Jean-Ismaël Valestin qui, nous avons parlé là, déjà trouvé dans l'hôpital Canapé Vert pour toute information sur état santé ou bien comment Anel Belizer et comment environnement y est et Valestin Capgain pour parler avec des mondes qui t'ai accompagné en El Belizer était bon chez Radio. Est-ce que finalement nous fait contact justement Valestin bonsoir. Oui bonsoir Guerrien Riche, bonsoir tout auditeur Radio Méga. Bon nous censés à peine arriver effectivement dans l'hôpital Canapé Vert. C'est là selon toute première information que nous avons, Anel Belizer lui-même l'a pu recevoir. Alors, l'hôpital, c'est une date pour ça, puisque nous avons une chance d'avoir avec M. Caleb Jean-Baptiste, c'est un homme qui a accompagné Anel Belizer, et bien, et qui est trouvé actuellement dans l'hôpital Canapé Vert, côté de nous. Mais ce n'est pas un accès
qui facile pour ta même joindre au monde, même ta légende baptiste de parler avec lui, mais qui dans le premier élément d'information qui était partagé avec nous derrière lui, c'est Anel Belize a recevé plusieurs cartouches, et lui t'a parlé, c'est dans la roche, dans le dos, et lui dans la salle d'opération. Et on a Caleb Jean-Baptiste qui t'a parlé avec nous, avec Bonanger, sous derrière lui. Et il dit que ça va à nos bases égarées. Peut-être une étape importante si nous voulons Caleb Jean-Baptiste pour qu'on parle avec lui, pour nous garder dans les circonstances, puisqu'il était dans une unité accompagnée Anel Belizer, dans la situation lui-même arrivé. Et lui-même parlait, il est arrivé dans une base égarée sous l'air, selon ça, Caleb Jean-Baptiste est partagé avec nous. Et bien, il y a un militant politique qui est tout le monde connaît, Michel Oba, qui était même pointé les armes sous lui. Et j'ai même dit, si pour tirer Michel Oba, c'est capable de tout tirer. On va essayer de chercher un espace là. Et pour nous, c'est capable de. Moi, je vais apprendre un grand pile sympathisant qui est dans l'espace là. Oui, devant l'hôpital là, pas gain et. En plus, on va prendre une période dans l'espace à l'Ulula, mais comme une salle d'opération pour le moment. On n'est pas un propre militant soulevé qui devant barrière et l'hôpital. Là, c'est une question pour de sécurité. Nous-mêmes, on a essayé de joindre là Guerrier Henry, d'avoir accès à nos proches et à Anel Belizer, parce que Baronet, Magali habite pour une manifestation qui présente tout dans l'hôpital là. C'est un de nos premiers mots d'avoir confirmé pour passer la parole Radio Mega et Anel Belizer lui-même prend un cartouche. Mais nous-mêmes, nous trouvons dans l'espace là, on va regarder comment nous sommes capables de pénétrer, si nous avons une soirée Magali habitant ou bien mettre Caleb Jean-Baptiste qui dit nous qui était accompagné de Anel Belizer dans un moment et nous avons recevoir un cartouche derrière. Et lui dans sa récupération, nous allons voir avec Caleb Jean-Baptiste, c'est un avocat qui toujours accompagné Anel Belizer. Elle donne une place sur vous, vous en avec nous pour tenter la parole sur l'immigrant. Comment ça arrive et ancien député Anel Belizer? Bon, Radio Mega. Ça y est. Auditeur, pour que tu aies la parole, je salue. Bon, c'est annoncé. FMA, nous sommes des beaux frères. On ne peut pas dire de frère. On peut dire de frère. L'otage derrière. De frère. Pour l'accompagner nous dans la bataille. Vous allez voter que. Je veux dire, nous partis, nous te dis que dans les deux frères, pour l'accompagner nous dans la bataille. Bataille là, pour l'été accompagner nous là-dedans. Le coup n'y a pour t'accompagner là-dedans. Nous prenons le frère, ça couille. Le frère accepter, répondre avec sa notice. Nous sommes en mobilisation des milliers de monde dans la rue. Des milliers de monde dans la rue. Et puis nous, ils ont un délai. Les officiers de frère. Mais je fais pression. Mais comment dire bon, la parole. Voilà. Il y a un pile et pression pour Caleb Jean-Baptiste lui-même, lui pas parler. Mais Anel Belizer, il est trouvé actuellement dans la salle d'opération et la procédure soin et selon Caleb Jean-Baptiste, mais ça nous apporte là, il va passer le médecin, si nous avons accès à la salle d'opération ou bien accès à un médecin qui est sous Anelio et Guerrien. Mais c'est confirmé, Anel Belizer a soigné dans l'hôpital et vous soutenez Caleb Jean-Baptiste, qui paraît inconsolable, et nous, toute équipe là, si vous voulez,
et qui lit Baba surtout pour présent dans l'hôpital côté Anel Belizel. Mais où sous place ou vive émotion qui gagne et bon côté Caleb créer selon même livre dit qui ça est-ce que c'est état santé Anel Jean ou Anel Teye c'est ça qui exprime ça et c'est garder ça pour moi pour qui ça créer. Alors on est moi pas gain chance ouais Anel mais peut-être il explique son mouvement du prend plusieurs cartouches sont au nombre de 4 guerriers Henri peut-être il rentre dans salle d'opération en pile soir on est dit les guerriers Henri l'ont rentré dans salle d'opération toujours gagner par contre non non il y a toujours dit c'est deux possibilités bon de fait c'est toujours deux possibilités c'est deux possibilités peut-être c'est l'une des raisons qui fait lui capable pas bien et pour aller pour parler et lui impression tout et qui lit qui dans espace là qui présent et qui vient accompagner Anel Belizer et lui expliquer tout c'est pas va selon des policiers qui vous voulez porter aux précisions Caleb Jean-Baptiste je n'en peux rien lui on juste passer et parler avec Caleb Jean-Baptiste moi dis à Dieu méchant au criminel pour nous mais qu'on a fait bien la pays nous connaissons nous monsieur nous mais nous monsieur nous disons merci quand même parce que nous te protégeons. Merci parce que tu es là dans la prison. Voilà, c'est mandat. Est-ce que c'est à bout portant de tirer sous Anel ou bien c'est au fait. Moi, je suis dans le ghetto. Au premier barricade, moi, descend, je dis ma calèbre pour la carte. Je suis sur l'île. Ok. Nous, on levait tout le bagage passé avec le député. Pour faire merveille, des milliers de mots. Mais nous, on est content qu'il soit à exam. Que nous pas café. Nous, on connaît. Pour les gens qui sont dans le repos. Et vous pouvez me dire ça, c'est moi. Je dis, monsieur, qui me faisait, pour ça me fait pour le tour. Pour ça me fait pour le tour. Je dis, pour ça me fait pour le tour. Je dis, pour ça me fait pour le tour. Je dis, pour ça me fait pour le tour. Depuis ta balai, Anel Belizer, chef de position, malgré qu'on bat tout, il a été chef de position. Ok? Mon film parle de Balbassé. Ben, il veut côté petit frère, grand frère Xavier. Je dis, comment ça va appeler? Je peux arriver. Je dis, monsieur, tout le monde s'en met à l'aide, pas de sa toi-même. Vas-y, on est en Opéien. Anyways, de toute façon, je peux demander à mon livre pour me dépasser. Le premier monde qui descend, c'est moi. Je suis en train de aller à l'aide. Et puis, c'est moi, et puis, on a un camarade. Et puis, je vais parler, puis, il y a un militant qui se le balle, il me couche, il me fusait. Je suis pas caché ça. Fusé ma main. Sophie. Fusé, si c'est parce que je suis en train de la guerre, X, Y, Z, moi, c'est moi. Sans nous, on est. Nous pas croiser, c'était où encore. Valestin, préciser pour lui, c'est des prisonniers politiques. Oui, est-ce que la parlé des prisonniers politiques
Et parce que nous connaissons des pile prisonniers politiques, et même tout gagne des policiers. Pas policiers, je ne suis pas prisonnier policier. Vous avez gagné. Écoutez, notre calme de Baptiste, c'est la plus de Rémoun. Sauf même Anel Bélizère, il n'y a pas même de souffrir en prison. Tout toujours dit que c'est un bataillon, on peut vous dire, ouais, c'est avocat. Répétez à mon tête, dis monsieur, sixième amendement de toi, si c'est parce que je vais libérer mon sixième, je descends là. Je vais aller au préfet, préfiser, je vais faire mon église, non point, non point, pile à monsieur. Je vais faire connaître ce ghetto, je vais faire ça, 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 et puis Michel Oba Mpouville, difficile monsieur, et puis Michel Oba Papobal. Je prends deux frères, nous sommes dans le mobile là, écrasé mobile là. Nous voulons nous mettre vite mobile devant, même c'est que passer nous avec Aougon, comme on est là. Pas contre nous, pas contre nous, nous sommes là. Et puis on dit, bon frère, le fait que pas dire, c'est, allez, nous-mêmes, marcher. Allez, merci parce que sauvez vous bon, beaucoup, vous bon. Parce que je dis merci. Vous ça me fait pour. Mais quand frère Manel Bélizère, si nous t'es dit, nous disons. Ça passe aux enfants. Si nous dans l'arrière, nous avons deux Bétionville, nous parlons de Solino, notre fille était à Val. Histoire n'a pas raconté le bas. Il passe jusqu'à ce qu'il y a Manel Bélizère qui est pour mal, et lui l'hôpital actuellement. Il est passé pendant son merveille dans tout le pays. On dit dans 4 heures, pendant 5 heures. Et puis nous, c'est presque le café encore, nous, on dans la 24 là, il passe sur le niveau message, passé au ghetto, pour dans le web, pour dans le devant perpétuel. C'est moi, il est devant perpétuel, là, qui soit ça. On dit peuple là, attends la profondeur. Attends bien, si vous comprenez, mettre à l'aise Jean-Baptiste, et sous bien question pour lui, puisque. Non, non, rappelez-nous encore, qui côté, dans qui zone exactement sous Belé, Anel Brembal là. Bazégaré, Baïdo Fembal, d'après ça, nous connaissons. Bazégaré. C'est l'heure de Solino. L'heure de Solino, tout bas Solino, je suis à bout dans le Belé. Bazégaré, moi-même, monsieur, mais monsieur. Est-ce que vous savez débattre, monsieur? Qui est-ce qui est dans la métanelle de l'Isère? Opinion. Opinion. Parce qu'on est allé le peuple là. Pas dans la possibilité. La ligne là. C'est ça, vous connaissez Ariel. On est dans la salle d'opération. On est dans la salle d'opération. On s'accueille. C'est ça, monsieur. Gofia a dit, moi. C'est le baguette sur le médecin. L'aime, moi, Gofia. C'est le médecin, dis-nous. Médecin. C'est le baguette. Si vous parlez, si vous l'avez le pays, le frère dit, mettez calais, pour moi. Je ne suis pas parti dans le pays. Voilà. Et Guerrier, Caleb Jean-Baptiste, nous connaissons qui nous a considéré comme. Gagner spécialisé au secteur de pratique comme détournement camion. Tout le monde conduit l'antenne antenne dans Kassaro. Dans le combat entre gangs rivaux, je mettais au devant pour permettre que vous fassiez premier attaque. Tout le monde sort antenne pour des gens que vous pouvez kidnapper, que vous là pour bailler à l'aide avec groupe gang soit qui est crémenté passé. Il est toujours dans la rue pour alerter par rapport avec patrouille, la police qui bloque bien patrouille, qui bloque pas bien patrouille. C'est dans la soirée que Gagzam ça vient ramasser tout le monde qui abandonné dans la rue pour venir intégré groupe Ameo. D'après sa Vitalem Axeus raconté, l'a expliqué, divers côtés n'est exam ça y a déjà passé. Selon enquête, nous, yo recruté dans la soirée, dans la chambre masse, dans la zone Rex Théâtre et dans la zone Trion.
enfants et l'autre côté que yo recruter tout monde ça recruter yo dans Kafou Florio avec Kafou Marassa côté que gang Katamaozo fait recrutement et tout monde ça que yo enlever des forces soit pendant soirée ou au cours de nuit la tombée. Écoutez, yo mené yo nan des bases. Timoun sa yo ki nan l'âge 13, 14, 15 ans, pa gen l'âge pou impliquer dans genre de activité sa yo, sa ki kontre ak yon seri instrument légal haïtien, d'après responsable programme Centre Animation Paysanne en Action Communautaire. L'État a ratifié convention relative aux droits de l'enfant qui interdit les modes de pratique sa yo. C'est dans ce sens-là que nous observons la situation, nous documenter et nous dénoncer tout auprès de l'opinion publique là. Pour permettre que l'État protège tout le monde qui a moins de 13 années, 15 années, nous demandons pour l'État. Dans l'enquête de l'organisation SAO réalisée, ils ont fait diverses recommandations à l'autorité étatique pour mettre en bout à la pratique ça qui, d'après eux, prend de grosses conséquences sur la sécurité du pays. L'autorité a dû tenir compte de la situation de tout le monde là, côté que ont laissé pour compte que les hommes de centre qui étaient ouverts pour faire accueil tout le monde. Bon, pour je ne veux dire pas qu'il y a une qui existait et qui ouvrit et dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince là côté que soit l'État pas ben moyen avec moun k'ap dirije san sa ou pou yo capable faire fonctionner ou bien yo laisse yo pour compter par rapport avec et priorité l'État pas pour priorité timoun yo. Timoun sa yo jounen jodi a ki gen zam gros calibre nan men yo représente yon menace pour pays a d'après organisation sa yo sa ki pral renforcer phénomène gangsterisation pays a fait face là d'après Vitalem Axeus si pa gen bon jamezi ki prend pour faire rééducation timoun sa yo kap enroulé a c'est yo même ki pral vin chef gang nan jou kap vini yo. Depuis quelque temps là kidnapping a monté tellement haut au point que Haïti semble jounen jodi a la tête de liste pays côté qui gagne plus kidnapping qui fait OK par tête d'habitants. C'est comme si gagnait un cercle vicieux qui a alimenté encore insécurité qui fait que gang yo chaque jour vienne plus puissant et plus effectif. Pendant que nous senti que gagnait un tel laxisme, gagnait un tel insouciance bon côté à la tête de l'État qui lorsque c'est pas dans connivence ou bien dans complicité avec fait que je senti que aussi maître pays capitale assiégé par des bandes armées déjà sous zone l'ouest bâtissant viré aller sous sud c'est déjà depuis un an coupé de mise pays maintenant qu'on est là zone l'est dernier la boule OK encerclé et en deux pays en deux capitales là personne monde pas exempt d'un acte de kidnapping situation ça il y a un gros impact sous politique pays mais particulièrement sur économie pays sur société en général il traduit en termes de désespoir total et particulièrement bon côté jeune heureusement il y a quand même une prise de conscience qui commence et qui fait nous sentir que il y a une mobilisation générale qui a préparé et c'est tout le monde dans pays qui sentit que nous concerne mais c'est surtout pour garder qui proposition nous capable faire pour que à moyen terme et à long terme pour ne pas tourner dans situation qui produit insécurité là il pas venir comme ça il sorti loin nous devons donc réfléchir et c'est pas du jour au lendemain d'apprendre venir avec une proposition qui pour gagner une unité spéciale qui allait qui débarquer et puis qui craser gang ou couper tête yo chef et puis gagner 10 autres chefs qui apparaît encore pas de là de mobilisation sous toute forme qui commençait déjà et que nous appuyer qui ça voulait pour payer lorsque nous pourrons fêter 250e anniversaire de la fondation de Port-au-Prince, la capitale. Depuis aujourd'hui, nous devons commencer à penser à ça. Un pays tant pour Haïti, un peuple tant pour Haïti. Qui fait ça, le fait dans le passé, qui aujourd'hui à terre, c'est à nous de penser comment lever la terre et projeter comme grand pays, comme grand peuple. Si population, bravo, est-ce que tu comprends réalité à obligation pour te sortir, prends la rue, viens manifester, viens boumer, pour dire abat kidnapping, abat insécurité, mais t'es mon troisième problème, tout une dit pour aller en ligne mettre au pays. Plus clair, dans tout jour, avant mobilisation, t'as dit en pile diversion que tu as fait. En pile parler en pile, en pile mensonge, en pile l'argent sale, mais malgré tout, boum l'argent sale là, boum diversion, pas qu'à empêcher vraiment. Peuple a été sorti, prend l'arrière, reprend la bataille pour qu'il te demande pour aller dans le remède du pays pour te battre avec l'insécurité pour qu'il t'aille. Et bien, comme là, dans celle-là, il n'y a pas empêché la population de sortir dans la rue, il n'y a pas empêché la population de prendre responsabilité. Diversion, il n'y a pas de signifiant.
par rapport avec ça peuple a été fait hier, je l'ai sorti, je l'ai pris responsabilité. Bravo avec mes haïtiens, bravo à tout le monde qui te comprend la réalité. Et nous dit, question mobilisation, Mirai qui te kembe là, Mirai la tombe. C'est pareil qui garde tout le monde qui te baille, garantie avec nous que mobilisation pas carré pour nous, le peuple n'a pas sorti dans la rue. Nous dit, Mirai Jéricho a crasé, bataille a reprendre, il reprend net. Et peuple a continué avec bataille contre ni kidnapping, ni insécurité, ni Ariel Henry, jusqu'à ce que Ariel Henry comme obstacle, comme monde qui empêche les pays de mettre tête ensemble aujourd'hui pour mettre une transition de rupture, pour tous les pays à des ou pas. Des gouvernabilités pour 25 ans, et bien le peuple a continué pour l'arrière pour dire remettre le pays pour aller se chiter ensemble, pour faire conférence nationale pour étirer tête dans le problème. On a lancé des ça par l'autre département hier qui va camper. On dit aujourd'hui, Ariel Henry, SDP Fission et Allié, vous faites partie du problème, vous ne pouvez pas faire partie de la solution. Donc je dis à si toutefois nous besoin de la vie dans fini, il faut que nous organisions, il faut que nous mettions ensemble pour que nous pouvons pour l'équipe ça qui se pouvoir. Une équipe qui n'a pas une sensibilité pour la population. Une équipe a décidé qui n'a pas une volonté pour faire rien pour la population. Et c'est raison ça, ensemble d'organisations qui là, ensemble avec nous, et qui étaient dans la rue, dans le cadre de la mobilisation de hier, donc on a continué à organiser nous pour que nous continuions. Que notre mobilisation n'est pas crampée, la continue à mobilisation jusqu'à ce que nous jouions départ à Ariel. Donc, dans le jour de la vidéo, on a préparé que nous baillons la nation avec la presse au calendrier mobilisation côté nous bien à travers tout le pays. Donc, nous croyons que le moment est arrivé, il faut que tout le monde fasse un seul, il faut que tout le monde organise pour qu'on va prendre une libération du pays. Bonsoir Michel et bonsoir à Georges Alain également. Nous saluons tout le monde qui a entendu sur différentes stations radio également. Et les 19 juin, j'en ai annoncé déjà, Vélocaï, des débouts dans l'IGA mouvement, mobilisation pour dire non contre l'insécurité à kidnapping, qui est grand sud là à pas victime. Tout secteur, petit ou jeune, ou bien grand monde qui est présent dans le mouvement ça, qui était allé devant Airport Antoine Simon, qui trouvait là à environ 10 km du troisième ville payant. Toute activité, quelle que soit sa liée, qui fermait, genre c'était privé, qui annoncé ça. C'était vraiment une journée morte dans le ville-là, côté tout le monde qui montait en direction à l'aéroport-là pour tellement des pouvoirs en place-là, prendre responsabilité-là. La police, en plusieurs occasions, s'est tentée d'écraser mouvement ça, mais les manifestants ont été résistés à chaque fois. Bilan final, la police a trouvé un jeune garçon 30 l'année, Jean-Claude Insticoni, qui était dans une camionnette pour aller campérin, deuxième section communautaire. Et qui partent dans la manifestation. La police a blessé un tout jeune monde en bas balle réelle avec un balle caoutchouc également. La monnaie au gagné qui prend balle dans la tête, en bas yeux, dans pied et dans bras. Par les monnaies qui blessé, on rejoint le principal organisateur. Là-dedans, il y a deux commerçants qui s'étaient calés, qui se fait plus sain. Il y a la responsable de l'assemblée commerçant sud. Il y a Mena qui s'est une autre businessman avec Carvin Flaguer qui les mêmes recevoir une cartouche bonbon de gaz lacrymogène dans pied qui l'hôpital. Mounsa a eu victime en deux temps, mais surtout vers midi, les commissaires gouvernement au Calan, M. Ronald Richemont, étaient débarqués avec un BLTS et c'est comme si j'étais dans un fil de cœur pour être capable de jouer un espace libre pour arriver dans l'espace aéroport. Manifestant avec un dirigeant méga mouvement star, accusé commissaire gouvernement, M. Ronald Richemont, comme responsable tout le monde qui est victime de la mobilisation contre la sécurité à kidnapping. Le monde qui est victime de la mobilisation contre le kidnapping. Donc, il y a un confrère journaliste, également radio. Méga, Soliman en Jean Vanel, que la police frappait, et puis jour et moment, là, il recevait un coup de roche en bas, mais la police, son policier Ito, avec un plus de coups de pied, malgré qu'il était identifié comme journaliste, d'après ça, le fait qu'on est, confrère journaliste. En tout cas, quand... nous, qu'il va déposer plainte contre la police. Faut que nous dit en réaction à quel comportement la police, dans le premier temps, et on tire avion, que manifestant, il était rentré, prend en lampiste aéroport-là, mettait-le d'ailleurs pour te pousser le descendre dans ville au caille. Ça, qui était ville, paraît difficile pour malgré qu'il était pris en avion, c'est qu'il était empêché de descendre la ville avec lui. Constat, il était venu mettre des la donne. Après tout ça qui passe, il organisait dans une note, il mettait des yeux. Après midi, mardi 29 mars, il félicitait la population dans la troisième ville, sans réserve.
avec absolument un pour aider au même peuple en un grand suppliant sorti dans la calamité y a enduré en bas les bandits depuis un bon bout de temps. Il est fait d'ailleurs dans ce plan annoncé consultation y a commencé en toute secteur pour qu'on ait qui prend la prochaine étape et surtout qui réponse y a et la police accompagné commissaire gouvernement au calan qui ont été pensés qui tapent là pour garantir à protéger cette nouvelle population. Mais dommage, ils ont été plutôt choisi de tirer sur le monde sans réserve, sans calcul pendant qu'ils quittent les bandits à Festa et au Vématissant, d'après déclaration PIFO, là, il faut que nous le disions, bien après-midi, c'était un manifestant et dirigeant mouvement, ça, ils ont fait qu'on est, ils n'ont pas pris au sérieux déclaration que Premier ministre lui-même l'a fait, et ils ont déclaré que Premier ministre Ariel Henry pas gagné aucun contrôle sur le département sud, puisque il n'est pas utile le département en rien par rapport à Zak Apanti à promettre à travers Matissan qui empêche Mouna Sud capable de faire à occupation dans la capitale haïtienne. Comme ça, je dis, il n'y a pas aucune importance à la déclaration Premier ministre, puisque ce pays n'est pas sous contrôle. Premier ministre haïtien, Michel. C'est sous place Constitution, en champ de masse, branche principale mouvement, ça a démarré. Mais avant protestataires ils ont été baillés coup d'envoi, ils ont été tracés vers les traditionnels là, et puis utilisés en coq comme sacrifice. Après sacrifice là, ils ont été mettés du feu sur les tout vivants. Après cérémonie ça, ils ont quitté champ de masse, ils ont pris direction la lue pour rejoindre groupe qui t'a rassemblé à. Ils ont fait en seul pour prendre direction Kafou aéroport. Sous tout parcours, protestataires ont pas manqué mot pour exprimer colère contre phénomène kidnapping nan, à comportement autorité face à phénomène si là. Kidnapping ça, il pas arrêter parce que c'est pas culture pays d'Haïti. C'est ça États-Unis par nous. En dans gouvernement, ministre intérieur, qui c'est troisième personnage, en dans CSPN nan, liste kidnapper, on croit que kidnapping n'a pas jamais cabessant dans pays. Et bien c'est moun ça nous vini, nous sorti, nous descend dans l'arrière pour nous demander des paroles. Et nous avons avec la population, toute l'autre activité qu'a fait dans pays, il doit être fait devant résidence privée Ariel Henry. Militants, différents responsables organisations et groupements politiques t'ont exprimé colère contre phénomène kidnapping nan, qui pas fait aucune exception en bagé soi-disant autorité. Madame mes pays avec un secteur privé, personne ne peut manger. Pays a soumis le phénomène kidnapping. Oh, je suis là, je parle au kit côté. Ça m'a plus jeune. Nous pour moun qui est spécialisé. Le kidnappé moun, qui c'est moun gouvernement, nous le groupe qui est spécialisé, nous volete. C'est même pour gang yo toujours. Nous demandons faut que ça change. Mais il n'y a pas capable de continuer le jeu de bagaille ça. Ancien sénateur Steven Benoît, lui-même tout en colère face à comportement autorité. Mais il y a fait un peu. Gang l'État au coupé pays en deux. Kidnapping, tout côté. Pour mettre Arnel Rémy, insécurité mélangée à kidnapping entraîné de elle en pile conséquence. Yon nan secteur qui situe principale victime, c'est secteur judiciaire. Actoj li souli, mettre la patte manqué mot pour exprimer Colel. Avocat exposé, avocat victime, ingénieur, tout le monde va supporter. Elle dit docteur, pas bon monde n'a qui épargné dans le moment ça là. Donc je dis à la, c'est seule façon pour exprimer Colel, pour exprimer l'enfermement, pas capable encore. Pour équipe une crise, pas capable de solution. Menti mal passe tout côté tout pays en bas kidnapping. Donc nous obligés pour les béton, même la sué, ça va bien chez nous. Si vous avez une solution sécurité, c'est pour tout le monde. Donc nous c'est ça, on continue mon évocation, accompagnez-nous. Satisfait face à mouvement protestation, Jean-Robert Argan annonce yon chita parler en différents acteurs pour définir disposition à prendre, yon façon pour poursuivre avec mobilisation. Notre obligation de reddition de code, parce que nous avons un code à rendre, parce que nous avons convoqué une population qui vient, plusieurs organisations font la veine. Même si organisateur dit yo satisfait mais en pile mon estimé t'a bien plus monde qui prend la rue pour exprimer colère contre kidnapping nan là yo considéré quantité monde qui kidnappé touyé ou sinon violé ça qui d'après yo montrer réveil national contre phénomène ça a beaucoup déclenché dans pays ya. Cependant yo félicité yon série l'école qui t'est fermé porte yo pour journée mardi 29 mars 2022 en signe solidarité avec organisateur match pacifique ça.
Nous même nous prenons la rue parce que nous avons 4 femmes bébés. Yo tué yo cabaret parce que yo pas parlé. Yo dit c'est louga ou nous pas jamais entendre monde droit de l'homme parler de yo. Nous pas entendre ministère constitution femme parler de yo. Handicapé c'est monde tant que tout monde nous victime d'insécurité tout handicapé tombé. Regroupé au sein de la solidarité pour la défense des droits des personnes handicapées SDDPH, ces citoyens sont mobilisés. Ils veulent aller jusqu'au bout. Il faut que l'insécurité cesse dans le pays. Il faut que les conditions de vie des personnes handicapées s'améliorent. Scande Brunel Lujan, coordonnateur de SDDPH. Même nous décidons pour ne pas jamais camper. Et nous continuons jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous jouions le résultat final. Faut jouer une sécurité, faut jouer une amélioration. Apaisement social, il y a parlé de l'IA. Faut arriver sous nous. Des personnes à mobilité réduite qui participent en nombre important à une marche contre l'insécurité, un fait apparemment inédit. Le geste est hautement symbolique et devrait interpeller les autorités concernées, insensibles à la souffrance de la population.